Ouais, c'est absolument c'est Christophe aujourd'hui. On se retrouve en fait sur le jeu GTA 5 pour une petite astuce en fait, plutôt un tutoriel pour trouver un véhicule qui s'appelle le Bugatti. Je pense que vous devez le savoir. C'est vrai que ces informations ont traîné un peu partout. Donc prochainement, il y aura énormément d'astuces qui vont apparaître sur ma chaîne, que ce soit des véhicules, que ce soit des Easter eggs, on appelle ça comme ça. Je vais vous montrer après exactement la localisation, où est-ce que c'est géographiquement. Cette fameuse voiture, alors ce sont des voitures ici, là c'est une voiture particulièrement qu'on trouve qu'à cet endroit là et c'est un véhicule, c'est vrai, qui est particulièrement rapide et très agréable à conduire, et surtout lorsque vous allez la customiser, ça va être une véritable tuerie. Donc là je me dirige exactement à l'endroit où on va retrouver le véhicule. D'ailleurs il est là-bas, donc en blanc. Là je vous le fais afficher avec mes phares. Vous en avez marre des véhicules tout pourraves? Et bien voilà, voici la solution, elle est ici. Customisable et tout, bien sûr, juste magnifique. On va la tester vite fait sur l'autoroute pour vous montrer à quel point elle peut aller super vite. D'ailleurs là elle est en blanche, elle est juste super belle. Ah zut, il y a eu la petite alarme. Donc je vais vous faire énormément, c'est une petite annonce aussi, en même temps j'en profite pour vous dire énormément de tutoriels. Alors exactement où est-ce que je suis? Et bien vous voyez donc le petit truc de coiffeur, et bien en fait c'est juste en bas à droite, donc c'est ici. Je pense que maintenant vous savez à peu près où c'est. Donc bien sûr on se retrouve donc dans la ville de Los Santos, et on a cette fameuse voiture qui est juste splendide les gens. Par contre qui n'est pas décapotable hein, c'est sûr, mais voilà, lorsque vous allez la customiser, ça va être un régal, ça va être vraiment magnifique. Et donc voilà, j'en profite aussi pour faire une petite annonce comme quoi il y aura énormément de tutoriels qui arriveront sur ma chaîne. C'est vrai que moi je suis plus au niveau des breaking news, tout ça, au niveau des informations, donc je vais continuer sur le jeu bien sûr, vous proposer bien sûr le mode histoire, tout ça, mais c'est vrai que particulièrement je suis plus dans le domaine d'information, et donc tout ça, ça représente un peu ce domaine là donc voilà, donc il y aura aussi pas mal de choses qui vont arriver très prochainement. Ouais, franchement, c'est ce véhicule-là, j'ai pu le tester un peu et elle est juste magnifique. Alors, tout au début, lorsque vous avez commencé le jeu, vous n'accédez pas à certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, ce véhicule-là, vous pouvez pas l'avoir tout de suite. Il faut juste faire quelques missions, en fait, les 2-3 premières missions. Puis après, vous pouvez donc voir cette Bugatti. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'est affiché parce que j'ai voulu vous la montrer bien avant. Et en fait, non, il fallait faire quelques missions avant. Donc, elle a une super grosse accélération. Franchement, c'est une tuerie. Vous allez vous éclater avec ce véhicule-là. Oh, il y a une voiture qui a spawn. C'est la première fois que je voyais un véhicule qui spawn devant moi dans GTA 5, regardez, avec deux gros pots d'échappement. Je sais pas du tout s'il y a des claquements avec le feu là qui va s'afficher. Hop, voilà, on passe tranquillement. Et puis voilà, en tout cas c'était un petit tutoriel comment avoir la Bugatti. Il y aura beaucoup de tutoriels prochainement qui vont arriver sur ma chaîne. Ah là là, je slalom un petit peu. Donc après bien sûr vous la mettez dans votre garage, vous la customisez et c'est une bombe atomique ce véhicule là qu'on retrouve par contre qu'à cet endroit là. Puis là on peut voir, franchement elle roule bien tout ça. Et puis on est bien dedans, voilà, merci encore tous les gens, puis je vais vous laisser, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out. Franchement elle est kiffante, je crois que je vais la mettre dans mon garage. Faire la petite montée, tac tac, aïe aïe aïe. Oh les pilotes en vélo, bam, bam. Par contre le souci c'est que j'ai défoncé ma voiture, putain non, pourquoi j'ai fait ça?